cela depuis bien longtemps, ma foi. Ça remonte à l'occupation et on en a eu honte, fiston. Vladipak, ça réapparaît, y a toujours un trou de cul prêt à te vendre pour non-respect de leur putain de trou du cul de malheur. Cela te coûtera cher en denier, dénoncé par un fumier d'enfoiré. Un crétin tiers de sa macabre opération, abrutissé de la délation. Après avoir imbécilisé la population pour faire du peuple de bon mouton, faire porter ce masque inutile et débile à toutes et tous ces imbéciles, le portant maintenant roulant, ayant perdu la notion de discernement. Après avoir super bien ancré dans le vide de ses têtes l'idée qu'il était normal de se faire contrôler et justifier pourquoi on se déplaçait. Allez vite. Après avoir convaincu cette masse d'abrutis que juste nettoyer ton caddie avant d'entrer dans ce supermarché était suffisant et te protéger de cet endroit où toutes et tous touchent de leur même veine de droits louches, fruits, légumes et tout article, etc. Sauvez v'là la caisse et le plexiglas. Supermarché ouvert, c'est autorisé. Plus de 6 chez toi, t'es pénalisé. Et après avoir convaincu tous ces foussards et autres esclaves, mon canard, dans ce qui reste de cerveau à la population, recommandation à la con, bien martelé, enfoncé et buriné toute la journée en radio et TV. Comment veux-tu que j'aille voir un pot laisser mon nom et coordonnées au resto où il me fera partir à minuit, heure où légère m'attend à ma vie. Le piano, le montage qu'on fait en équilibre. C'est parti! C'est parti! C'est parti, mon kiki! Go! Hey, you are ready? Attends, hop! Les fils, quoi. Ils sont merveilleux, les pinceaux.